Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu disais? Quoi? Tu m'entendais pas? Je disais, je vais mourir! Tout le monde s'en tape! Je t'en prie, cesse de faire l'hypochondriaque! Je défaille! La pièce tourne! Je vais... Les hommes sont incroyables. Dès qu'ils ont le moindre rhume, ils sont persuadés qu'ils vont mourir. C'est à se demander qui est le sexe faible. Oh, mais c'est pas bientôt fini! Jean-François, j'ai tellement peur. Ma force vitale me quitte peu à peu. Oh, laisse-moi t'examiner. Dis A. Je t'emmène maintenant chez le docteur. Ça va pas? Tu sais que je souffre de toctophobie. Alors arrête tout de suite tes enfantillages. Il s'agit probablement d'un simple virus. Mais s'il est mortel, ou bien pire, s'il me tue. Faut te décider, bon sang. Soit tu es malade, soit tu l'es pas. Oui, mais... Eh ben dans ce cas, on va chez le docteur. J'ai froid, mon front est brûlant. Ma langue est de quelle couleur? C'est pas vrai. N'aie pas peur de me dire la vérité. Ils font des soldes dans ma boutique de chaussures préférées. Intéressant, vraiment très intéressant. Qu'est-ce que ça dit, Mochi? Vaut mieux pas que tu saches. Voyons, maladie mortelle et remède de dernière minute à concocter soi-même. Mortelle? Tu dis que je vais... mourir? Ben oui. Non! À moins que... Oh, nous y voilà. Étape 1. Munissez-vous d'une grosse clé à main. J'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de ces escarpins rouges à talons aiguilles. Oh, tu peux pas me laisser tomber comme une vieille chaussure. Le docteur lui disait qu'il était fort comme un jeune marsouin. Il est mort le lendemain. Tué par un bonus. Est-ce que t'avais des traces vertes sur ton oreiller? Oui. Oh, on a chopé la même espèce de maladie bizarre qui touche les super-héros. On sera copains, docteur. Écoute, Louis, je peux pas aller chez le docteur. Ça va prendre du temps et il y a trop de gens à sauver. Oh, voyons, Bunny, ne sois pas si altruiste. Tu es malade. Et c'est pour ça que toi, tu vas y aller pour nous deux. Appelle-moi à la maison et donne-moi le diagnostic. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Si ça peut sauver la vie d'un citoyen innocent, alors je suis ton homme. Tu es tellement courageux. Plein de bisous, Benny. Nous n'avons pas la même vision du bain relaxant aux huiles essentielles. Crois-moi, patron, c'est le seul moyen de tuer tes microbes. Cette infusion aux plantes dégage une odeur de déchets toxiques. Mochi, c'est en train de me roussir les poils du nez. C'est ce qui s'appelle une petite merveille. Oh. T'es sûr que t'as pas faim? Manger? Pas manger. Ah, cette histoire m'a carrément coupé l'appétit. Je peux mourir à tout moment. Le docteur a dit qu'il avait jamais vu ça avant. Oh, si seulement mon bilan sanguin était négatif. Et en même temps, il m'a dit de manger. Bon, très bien, je vais essayer de me forcer. Oh non, ah non, 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 tu vas te brosser les dents et
Salut, Candy. Dis à Bunny qu'on est hors de danger. C'est juste un virus qui se propage en ville. Ce sera fini dans 24 heures. Hein? Mais comment ça? On est hors de danger? Bah, il t'a pas dit? On a attrapé le même virus. Bunny a dû partir pour sauver des gens, alors je suis allée chez le docteur à sa place. Oh, il est tellement courageux. Ah, je vois. Merci beaucoup. Tu peux mourir, Candy? J'aurais pas la force de lever le coude. Oh, Bunny! Bunny! Je suis désolée! Je t'en prie, pardonne-moi! Candy, quoi? Oh, il se passe quoi? C'était Louis au téléphone. Le docteur lui a donné 24 heures à vivre! Et il a dit que tu avais le même virus! Oh, pardonne-moi, petit. Pardonne-moi d'avoir pu douter de toi. Dois bien y avoir un remède. Non, aucun. Non, pas de remède. Non d'une carotte. C'est pas vrai. Salutations. Alors, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Bunny a couiné toute la journée. Il a cru qu'il allait mourir. En plus, il a eu peur d'aller chez le docteur. Je lui donne une petite leçon. Wow, ça c'est vraiment un coup bas de chez bas. Tu sais bien qu'il est hypochondriaque, Stan. Il est temps que ça lui passe. Je laisse mariner 5 minutes, après je lui dirai la vérité. Coucou, Bunny chérie. J'ai quelque chose à te dire, mon chou. Prums, Candy, c'est vrai que toute ma vie je me suis regardé le nombril. Mais je vais me faire pardonner. Alors, puisque c'est mon dernier jour, je vais faire en sorte que ce soit le meilleur des derniers jours de ma vie. Et je veux le passer avec toi. Mais, Bunny, il faut que je... Je t'adore, Jean-François. Toi aussi, Stan. Vous savez que je vous aime. Mais je peux pas passer mes dernières heures à regarder derrière la vitre d'un aquarium. Passer une journée comme celle-ci depuis le temps de nos premiers rendez-vous. Si je pouvais remonter le temps, chaque jour serait comme aujourd'hui. Bunny, j'ai un aveu à te faire. Non, je t'en prie, pas d'aveu. Il ne nous reste qu'un infime moment d'éternité ensemble. Alors profitons-en sans rien regretter. Je dois aller aux toilettes. Toi aussi, t'es venu prendre un dernier verre, hein? Non, je suis là pour fêter la fin de ma maladie. Le docteur m'avait dit que ça prendrait 24 heures, mais moi, j'ai été malade que pendant 12 heures. Youhou! Attends un peu. Le docteur t'a dit que ça durait 24 heures? Bah oui. On t'a pas passé le message? Oh, que si. Garçon, sauce tomate! N'hésite pas sur la quantité. Toi, je vois tout blanc. Serre-moi, poupée. J'ai si peur. Oh, Bunny, c'est ma faute. Je croyais que tu faisais semblant. Je voulais te faire peur. Ne meurs pas. Par pitié, ne me quitte pas. Je t'en supplie. Bien fait. Température a baissé. Arrête de me raconter des histoires, Mochi. Je peux à peine respirer. C'est parce que tu as encore un peu de gants de crin coincé dans les narines. Tout va bien. Non, mon brave, brave soigneur. Personne ne peut aller contre le destin. Les dés sont jetés. Eh oh, tu vas pas mourir. Ça ne dure que 24 heures. Ah, tant pis. Au moins, nous pourrons mourir ensemble. La mort. C'est le dernier territoire inexploré. Non, attends, c'était rien qu'une blague.
YouTube. T'es qu'un égoïste. Qui passe sa vie à se regarder le nombril. En plus, t'es hypochondriaque. Tu l'as dit toi-même. Ah ouais? Mais c'était avant de passer la pire journée de ma vie avec une lapine menteuse et manipulatrice. La pire journée de ma vie. Ah, j'aurais mieux aimé la passer avec une bouche d'égout. Ça aurait senti nettement meilleur. Chérie. Waouh. Eh bien, c'est pas encore aujourd'hui qu'il retiendra la leçon. Jean-François.